au Cousex Country Club, un très beau club du Limousin dans le 87. Merci de m'accueillir d'ailleurs. Donc, je joue souvent le jeudi matin avec mon partenaire habituel Anthony, qui est aussi ma bête noire. Et donc du coup là on va faire un gros point. Le gros point c'est on fait un point au service et moi j'ai deux balles dans la poche et je vais engager. Donc le relanceur, une fois que le point est fini, il réengage derrière. Donc vous êtes sûr de faire entre 10 et 20 frappes de balles, ce qui va être un petit peu difficile. Même s'il y a un serveur volleyeur en face de vous, vous allez pouvoir faire plein de points. Allez, on vous montre. Le premier point vaut 1 point, le deuxième point il vaut 1 point, et pour que ça mette un petit peu de piment, le troisième point il vaut 2 points. Donc soit vous êtes à 2 partout, soit vous êtes à 4-0 au niveau du score. C'est important, le dernier point il faut qu'il vaille 2 points, puisque si vous êtes déjà à 2-0, ça veut dire que si vous jouez le troisième point, ça peut faire que 2-1, vous avez perdu. Ce qui est intéressant, c'est de mettre 2 points sur ce dernier point. On l'a déjà testé à l'entraînement. Et ça motive pour que ça fasse match nul. J'espère que vous avez bien compris ça, mais sinon je vous le mets dans la description. Là, vous voyez, le serveur, il faut qu'il ait 2 balles à la poche, classique, et le relanceur 2 balles à la poche. Comme ça, on peut continuer. Allez. Deux premiers points. Je fais une petite erreur, les balles ne sont pas dégagées du terrain, donc il faut quand même prendre le temps de dégager les balles pour que ça ne soit pas dangereux. Okay. Il y a une balle qui te gêne, je laisse dégager le balle.